Bon ça y est, aujourd'hui je vous donne enfin mon avis sur ce DJI Mi 3 Pro, il y aura beaucoup de choses, on mettra un timecode sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent, on verra tous sur le drone, sur la nouvelle radiocommande de DJI RC, bien sûr je le comparerai souvent au DJI R2S, c'est parti Alors je commence par le gros dossier qualité image en photo et en vidéo, ce Mini 3 Pro donc avec son capteur de 1 sur 1,3 pouces, son objectif 24 mm qui ouvre à F sur 1,7, mais je vous dis tout sur la qualité des images photo et vidéo en les comparant bien sûr à son grand frère le DJI R2S. Alors pour commencer un petit peu de maths, c'est vraiment très simple mais c'est vraiment important aussi et personne n'en parle en tout cas que j'ai vu sur YouTube, euh, ce Mini 3 Pro il a une ouverture de F sur 1,7. F sur 1,7 ça fait rentrer plus du double de lumière par rapport à l'ouverture de F sur 2,8 du R2S. Au niveau, on va dire objectif, il y a plus du double de lumière qui rentre dans le Mini 3 Pro par rapport à euh, ce que rentre dans le R2S. Maintenant, on parle taille de capteur. Sur le capteur du R2S de 1 pouce de diagonale, on a environ 116 mm carrés de surface de capteur. Si je prends la moitié de ça, j'ai 58 mm carrés, c'est précisément la surface d'un capteur qui fait 2 tiers de pouce. 2 tiers de pouce, c'est plus petit que le capteur du Mini 3 Pro qui fait 1 sur 1,3 pouce. Bref, ce Mini 3 Pro a un capteur qui prend plus de la moitié de la lumière de celui du R2S. Donc en résumé, si je mélange les deux, ça fait qu'il y a plus du double de lumière qui rentre grâce à l'ouverture F sur 1,7, mais à peu près la moitié est perdue par le capteur qui a une surface de donc, moitié moins que celle du R2S. Ce qui veut dire qu'en fait concrètement, quand je fais les calculs, ce Mini 3 Pro, en fait, il traite plus de lumière que ce que ne fait le R2S, parce que cette, ce couple taille de capteur, surface de capteur et euh, ouverture est plus favorable. Sur le Mini 3 Pro, que sur le R2S. Ça, c'est vraiment un fait mathématique et personne n'en parle aujourd'hui sur YouTube. Alors, parallèlement à ça, il y a aussi un autre point c'est que ce R2S, lui, c'est un capteur 20 millions de pixels euh, standard, on va dire, alors que lui, on a un capteur de 12 millions de pixels avec aussi du pixel binding là, pour avoir jusqu'à des photos en 48 millions de pixels. Et ça, ben, du coup, il y a la taille des photosites qui entre aussi en jeu. Et on n'a pas vraiment la main sur tout ce qui se passe là-dedans. Ça fait que selon ce qu'on va regarder, selon les, les circonstances, selon ce qu'on choisit comme réglage, on peut être des fois un petit peu mieux, un petit peu moins bien que ce que fait le R2S en termes de plage dynamique. On voit ça maintenant en détail sur des photos. Et des vidéos. Premier exemple, je vous mets à l'image deux photos en RAW, l'une prise par le Mini 3 Pro, l'autre par le R2S, à la même hauteur de 53 mètres, les mêmes réglages vraiment identiques, hein, 1 4 millième de seconde, sans filtre ni sur l'un ni sur l'autre, ISO 100 pour vraiment avoir une comparaison brute. De ce qu'ils me sortent comme résultat, et eh bien sur les fichiers rouges, j'ai bien du mal à voir la différence. Hein. Bien sûr, il y a la différence de focale hein. les 22 mm du R2S plus large que les 24 mm du Mini 3 Pro, mais mis à part ça, ce sont deux photos qui ont l'air vraiment identiques. Quand je vais euh, appliquer la même retouche, rigoureusement la même retouche aux deux photos, là encore, elles me paraissent vraiment très très similaires. Et même quand je vais zoomer dedans en x4, en 400 là encore, j'ai le même niveau de détail malgré le fait que le Mini 3 Pro soit que en 12 mm pixels contre les 20 mm pixels du R2S et dans les détails. Euh, dans L'ombre là sur les lattes du ponton, je vois la même chose. Bref, ce sont deux photos qui me paraissent vraiment vraiment similaires voire identiques. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vous épargne des 40 exemples à la suite. Ce que je constate comme résultat au final, c'est que honnêtement, bah, c'est très difficile de les départager. Les deux font une très très bonne image avec le dessiné lac du mini 3 Pro en vidéo, le log du R2S en vidéo, en photo. Les deux sont à peu près similaires avec un très léger avantage ponctuellement à l'un ou à l'autre. Ces deux dons-là sont vraiment excellents pour l'image. Il n'y a aucun souci. Vous ne serez déçu ni par l'un ni par l'autre. Pour la partie vidéo, depuis quelques semaines, il y a une mise à jour qui a apporté aussi le 10-bit quand on est en dessiné like, Donc il y a beaucoup, beaucoup plus de couleurs qui sont gérées par, euh, par le 10-bit que par le 8 bits, Donc il y a moins de banding, là, les petites bandes qu'on voit apparaître quand des différences de, de lumière sur, euh, sur une photo. Euh, ça c'est vraiment un gros, gros plus sur le Mi 3 Pro qui est arrivé récemment. Et c'est ce qui fait encore se resserrer l'écart entre lui et son grand frère. Alors un point qui est intéressant, c'est que ce Mi 3 Pro a une sorte de mode... HDR euh, automatique, alors c'est pas vraiment du HDR techniquement, mais disons que c'est un mode qui va un petit peu booster les, euh, les, euh, les basses lumières et puis euh, rabougrir un petit peu les hautes lumières. Euh, et ce mode il est vraiment automatique quand on est en 24, 25 ou 30 images par seconde, on n'a pas la main dessus. Il s'appelle HQ. Euh, alors je vous mets à l'écran la différence comparatifs, Alors sur la moitié gauche de l'image, vous avez la même image prise une fois en 4K 25 euh, profil de couleur normal et après en 4K 25 profil de couleur dessiné like, euh, les deux donc avec les modes HQ, là, le mode HQ, le sorte de HDR automatique, et sur la moitié droite de l'image, vous avez du 4K 50 images par seconde en profil de couleur normal et 4K à 50 images par seconde, en profil de couleur dessiné like. Donc là en 4K 50, on a plus ce mode HQ automatique. Première chose pour ceux qui en doutaient encore, on voit l'intérêt ici du dessiné like qui apporte vraiment beaucoup plus de détails dans les basses lumières, on voit beaucoup mieux de choses, beaucoup plus de choses dans la forêt. Ça c'est vraiment euh, ben voilà, un exemple parlant sur une scène très très contrastée niveau lumière. Par contre pour ce qui est du mode HQ, quand on compare la première image à gauche et la troisième, là, le 4K25 normal HQ et le 4K50 normal, euh, ben là on n'a pas de différence flagrante. Donc ce mode HQ, moi perso, je ne trouve pas vraiment transcendant. Hein, pourtant sur une scène comme ça, très très contrastée en lumière, qui est censé vraiment le mettre en valeur, il n'y a pas vraiment de différence. Euh, par contre, pour ceux qui en doutaient encore, hein, le dessin like, vous avez vu euh, tout l'intérêt que ça apporte. Là, je vous retouche maintenant les images en Dessiné Like pour vous montrer ce qu'on gagne par rapport à si on avait pris des images en profil de couleur normale, c'est vraiment intéressant par contre d'avoir du dessiné-like et de savoir s'en servir. Ce mode HQ met pour l'instant pas mal de réduction de bruit et quand on monte dans les ISO, euh, c'est assez gênant et ça fait une image qui est même moins nette que ce qu'on ne trouve en 50 images par seconde sans le mode HQ. Donc pour ces différentes raisons, moi en pratique sur ce Mi 3 Pro, je filme tout le temps en 50 images par seconde en dessiné-like, c'est là que je trouve que j'ai le plus la main sur ce qui se passe et que j'ai le meilleur résultat. Comme j'aime bien aussi pouvoir, si je le souhaite, ralentir les vidéos que j'ai prises, euh, 50 images par seconde du coup me permet de faire ça, par exemple là j'ai filmé au dessus de la mer et par hasard j'ai eu deux goélands qui sont passés sous le, sous le drone et donc le fait de filmer en 50 images par seconde m'a permis de ralentir ce plan là pour qu'on voit le goéland plus longtemps dans le champ de la caméra bref, 50 images par seconde, dessinez like c'est pour l'instant comme ça que j'utilise ce Mini 3 Pro alors, en parlant de retoucher les images, moi, depuis environ deux ans, je me suis fait une LUT qui me fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Une LUT, c'est un fichier qui s'appelle Lookup Table et qui sert justement à euh, étalonner euh, des, euh, des plans vidéo. Donc, moi, je m'en sers de ce, cette LUT absolument sur toutes mes vidéos, hein, à la fois YouTube mais aussi Pro, et je m'en sers que ce soit pour du Canon EOS R6, pour euh, d'autres boîtiers, pour du R2S en format en profil de couleur log, pour le Mini 3 Pro maintenant aussi en Destiny Like. Donc c'est vraiment une base de travail qui me fait des corrections rapide et après j'ai plus qu'à affiner j'explique vraiment comment ça marche en détail sur le fichier quand vous l'achèterez il y a le lien sous la vidéo et pour exemple rapidement là je vous montre un fichier du R2S en log sur lequel je glisse ma, ma LUT et du coup après ben voilà j'ai plus qu'à qu ajuster un petit peu les contrastes tout ça de la même manière là sur un fichier du Mi 3 Pro en dessiné des like hop, Je glisse mon ou ma lutte, et après, pareil, mais ben voilà, ça me donne de suite un rendu rapidement euh, qui est très très propre. Donc voilà, encore une fois, il y a le lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Cette lutte coûte 10 euros, elle me fait gagner un temps énorme, et pour l'instant, tous ceux qui l'ont acheté en sont ravis. Courte pause si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors un petit mot sur la partie photo maintenant, donc ce Mini 3 Pro fait des photos standard en 12MP contre 20 sur le R2S, ce qui laissera l'avantage de pouvoir plus rogner dans l'image pour ceux qui en auront besoin, là on sera un peu plus limité par rapport à ça forcément. Cela dit, il y a aussi un mode 48MP sur ce Mini 3 Pro, et pour une fois c'est un mode qui marche bien, franchement je trouve les images plus nettes, vraiment propre, le seul souci que j'y ai vu c'est que sur les endroits où c'est compliqué niveau lumière, il y a pas mal d'aberrations chromatiques qui apparaissent, alors c'est vraiment très très localisé, très très fin, mais quand on zoome fort là, on voit bien qu'il y a du rose qui apparaît sur, la, sur ce bateau là parce que c'est très très lumineux, alors que sur des photos que j'ai prises euh, en RAW normal, et eh bien euh, en 12 mégapixels et eh bien on n'a pas ce rose qui apparaît et ces aberrations chromatiques, je les ai constatées euh, régulièrement hein, quand il y avait des, des grosses expositions sur des endroits très très localisés encore une fois, c'est pas gênant et sur cette photo là quand elle est pas du tout zoomée, on s'en rend même pas compte. Donc voilà, retenez que ce mode 48 mp pixels marche bien sur Mi 3 Pro au petit bémol près qu'il peut y avoir différentes petites aberrations chromatiques très très localisées, très très ponctuelles si c'est très très exposé. Alors comme l'a fait remarquer tout récemment l'ami Hubert, je confirme que je note un vignotage assez prononcé sur les fichiers RAW, qui n'apparaît pas sur les fichiers JPEG pris simultanément. C'est particulièrement visible là sur ce style de photo où on voit du ciel. Euh, donc ce vignotage, moi je le corrige assez facilement avec euh, Luminar, hein, en inversant le vignotage. Mais bon voilà, c'est un problème qui j'espère sera corrigé par mise à jour et qui pour l'instant aujourd'hui est bien notable. Pour ce qui est de la photo et de la vidéo, il y a un point qui est super important, c'est que ce Mini 3 Pro, quand on appuie sur un bouton, sur l'application ou sur un raccourci de la radio-commande, peut passer sa caméra du mode paysage au mode portrait. J'en ai vu sur YouTube qui disent que c'est un gadget que ça sert à rien. Mais j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse débattre de ça. Ceux qui disent ça, non, à mon avis, n'y connaissent rien en photo. Quand je suis en photo au sol, selon ce que je vois, selon le contexte, selon le recul que j'ai, selon l'intention artistique que j'ai, je prends une photo soit en mode paysage, soit en mode portrait. C'est pareil en drone. Quand j'ai une tour ou quand j'ai pas beaucoup de recul ou que ça s'y prête plus... Je veux passer comme ça en mode portrait, et quand à l'inverse, ben, l'intention artistique que je vais mettre ou le paysage s'y prête plus, je passe en mode paysage. Un mec qui vous dit que ça c'est un gadget, n'y connaît rien, à la photo c'est pas possible. En vidéo c'est différent, mais en photo c'est de manière évidente un énorme atout qu'a ce Mini 3 Pro par rapport à tous les autres drones, sauf le Mavic Pro première génération qui lui aussi avait ça. Alors après on pourra vous dire, ouais, prends-la en mode paysage, et après tu la rognes, mais tu la rognes, mais il y a 12 millions de pixels si je rogne qu'est-ce qui va me rester si j'ai une partie verticale de la photo il va rester quasiment rien pour une photo c'est pas possible ou alors il faudrait la prendre en 48 pixels, là oui je pourrais plus la rogner avec potentiellement des aberrations chromatiques qui vont apparaître et ça reste un mode on va dire un petit peu expérimental hein, le 48 pixels, euh, le vrai mode c'est 12 pixels. dans ce mode là si moi je fais une photo que je veux vendre après eh bien la faire en mode euh, paysage et rogner dedans c'est invendable ça c'est pas possible euh, ni sur celui-là ni sur celui-là donc avoir ce mode vertical dans lequel je peux une photo en 4 tiers en pleine résolution du capteur en photographie c'est encore une fois indiscutable un énorme avantage alors en vidéo c'est un petit peu différent je suis d'accord que euh, on n'a pas tous envie ou besoin de passer des vidéos en vertical sur Instagram euh, TikTok euh, etc donc en effet ça c'est ça dépend des besoins je suis d'accord sur le fait aussi qu'avec le R2S quand je voulais faire une vidéo au format vertical du coup j'utilisais euh, la définition maximale de 5,3K euh, je crois euh, pour pouvoir avoir beaucoup plus de définition et perdre moins quand je rogne. Et comme après Instagram compresse bien, euh, les, enfin compresse beaucoup les fichiers au final, mais j'avais un truc qui restait quand même à peu près correct. Euh, et la différence sera quand même visible hein, avec le Mini 3 Pro, parce que là, on partira d'un fichier euh, filmé en pleine résolution, enfin quasiment on prend en 16 neuvième verticale, donc on perd un peu par rapport à la définition maximale, mais on part d'un fichier qui sera vraiment très très propre quasiment en plein capteur et après on va on va devoir un petit peu le compresser pour arriver à le l'uploader proprement sur Instagram mais on aura un piqué enfin on a un piqué qui est quand même bien meilleur c'est beaucoup plus net que ce qu'on ne peut obtenir avec le R2S en filmant en paysage et après en rognant l'image ça en vidéo pour moi qui fait des Plans vidéo verticaux pour poster sur Instagram par exemple pour des clients, hein, pour moi aussi, mais pour des clients, euh, ça c'est encore une fois un gros gros plus pour moi en vidéo. Ah, par contre, ceux qui ne postent jamais de vidéos verticales sur TikTok ou Instagram s'en fichent, ça je respecte, mais ne serait-ce que pour la partie photo, encore une fois, c'est vraiment un énorme plus et tous ceux qui vous diront le contraire, soit n'y connaissent rien en photo, soit n'ont pas réfléchi avant de parler. Dernier point qui est intéressant pour la partie photo vidéo, surtout pour la vidéo, c'est que ce Mini 3 Pro. Peut, euh, filmer vers le haut jusqu'à 60 degrés d'inclinaison, c'est aussi un truc qui est vraiment sympa. Alors pour moi, c'est pas pour prendre des images de, des nuages hein, parce que des images des nuages, on les prend du sol, ça marche pareil. Mais quand on passe sous un pont par exemple ou quand on sort en montagne, moi c'est vraiment très intéressant en montagne. Des fois, j'arrive pas à relever la nacelle assez haut pour voir la cime. Là, je pourrais le faire avec celui-là. Donc pour moi, c'est aussi un, un gros plus qui servira pas super souvent, mais qui sert quand même. Donc c'est bien que ça y soit. Alors pour l'instant, cette possibilité de relever la caméra vers le haut n'est pas exploitée en photo 360. C'est vraiment dommage, on a encore le même nombre de photos qui est prise que sur les autres drones, avec toujours ce ciel qui, qui est absent, qui est flouté. Ça c'est dommage, j'espère qu'ils pourront s'y atteler pour mettre ça à jour et profiter de cette possibilité de lever la caméra pour prendre un ciel complet et ne pas avoir besoin de le remplacer quand on traite les images 360. Voilà pour les principales caractéristiques de ce Mini 3 Pro en termes de possibilités photo vidéo. Maintenant je vous dis ce que j'en pense concrètement. Donc qualité d'image, comme je vous l'ai montré, on est vraiment très proche entre ces deux drones-là, avec un tout petit, mini, léger avantage au profil log du R2S, mais c'est vraiment mini. Pour le reste c'est la même chose, au hein, niveau des ralentis en 120 images par seconde, ils sont corrects. Bon, voilà sur ce euh, Mini 3 Pro quand c'est bien éclairé, je vous en mets un à l'image là. Bref, franchement, euh, de manière objective, c'est vraiment très très proche au euh, niveau image. Mais lui, il a cet avantage-là qui, à titre personnel, pour la photo et aussi pour la vidéo, est pour moi un énorme plus. Donc, pour la qualité de l'image, ben moi, je préfère lui au R2S. Alors, allez-y, criez, marquez dans les commentaires, tout ça. Je comprends hein, que tout le monde va dire, mais t'es débile. Non, mais j'ai testé et j'ai pas vu de différence notable vraiment euh, niveau qualité d'image dans tous les tests que j'ai fait euh, et lui il a des, des choses qui me plaisent beaucoup donc concrètement aujourd'hui quand je sors pour l'instant je prends le R2S parce qu'il est plus pratique niveau format parce qu'il est plus pratique à mettre en œuvre et parce que niveau image, non seulement je n'aurai pas trop de différence avec lui mais qu'en plus j'aurai la possibilité de faire des images verticales si je le souhaite. Voilà, C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui débutent en drone, j'ai une formation en ligne qui est vraiment faite pour les débutants où il y a deux parties, une partie réglementation, dans laquelle j'explique tout ce qui est réglementation européenne pour que vous sachiez où vous pouvez voler. Et comment vous pouvez voler en drone de loisir et une partie sécurité où j'explique pas mal de choses intéressantes pour ne pas vous blesser, blesser quelqu'un ou casser votre drone comme par exemple comment régler son RTH, comment décoller et poser en, euh, à la main, comment gérer ses batteries, comment gérer les oiseaux un peu trop curieux ou agressifs, comment voler au-dessus de l'eau. Bref, cette formation est vraiment faite pour vous permettre de faire vos premiers vols en toute confiance, en toute sécurité. J'ai d'excellents retours dessus, d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont fait confiance en l'achetant. Si ça vous intéresse, le lien est sous la vidéo en description. Alors, quelques points encore sur le drone avant de passer à la radiocommande. Euh, déjà, il y a un point qu'il faut savoir c'est que donc, ce drone n'a pas de ventilateur, hein, contrairement au R2S. Et donc, quand on l'allume, il ne compte que sur ses hélices et sur le déplacement avec le vent relatif pour se refroidir. Donc, quand on l'allume et qu'on le laisse sur un bureau comme ça pour une mise à jour, par exemple, il va chauffer, chauffer et devenir vraiment brûlant au toucher. Et au moment, il va s'éteindre. Ça dure environ 15-20 minutes et après, il se coupe. Faut le savoir. Moi, j'ai jamais été gêné par une coupure à cause de la chaleur pendant que j'étais en mise à jour. J'ai pas été aussi par rapport à ça. Les seules fois où il s'est coupé, c'était quand je filmais le tuto complet pour débutants que j'ai fait avec le, sur le Mini 3 Pro. Là, il était pendant longtemps allumé sur le bureau là. Et là, en effet, il a coupé plusieurs fois. Hein. Je devais attendre qu'il se refroidisse avant de le, le redémarrer. Donc c'est un point à savoir. Il n'y a pas de soucis quand on vole, bien sûr. Moi, j'ai pas de soucis quand on fait des mises à jour non plus. Encore une fois, mais voilà, il chauffe beaucoup. Euh, cela dit, le Quick Transfer dont j'ai fait déjà une vidéo dédiée euh, marche très très bien. Et quand on, euh, on utilise le Quick Transfer pour envoyer les fichiers du drone vers euh, votre smartphone, euh, ça ne chauffe pas le drone. Ça ne met pas en marche toutes ces caméras et tout. Là, il ne chauffe pas du tout, sauf si vous avez mis le drone en connexion avec la radio-commande et que du coup là, il y a tout ce qui est caméra et tout marche. Hein. Mais si la radio-commande est éteinte et qu'on met juste le quick transfert en marche sur le téléphone. Dans ces cas-là, le drone ne chauffe pas du tout et ça peut durer très longtemps euh, sans aucune surchauffe. Au niveau du comportement en vol, euh, alors sur tous les vols que j'ai fait, j'ai eu on va dire 95% des vols où j'ai eu aucun souci c'était un vrai régal hein. c'est un drone qui, qui est vraiment stable même dans du vent j'ai pas encore pu tester vraiment dans du gros vent mais en tout cas j'ai pas été gêné par, par du vent autour de, de entre 10 et 20 nœuds on va dire euh, pas trop l'aime, il y a eu juste quelques vols où sans raison particulière je sais pas pourquoi le drone arrivait pas trop à rester en position immobile par exemple là quand je filmais au dessus de ma piscine et euh, eh ben on voit qu'il se décale il bouge un petit peu je sais pas pourquoi ça me paraissait des mouvements qui étaient bien supérieurs à ce que j'ai jamais eu avec un R2S par exemple donc ça c'est voilà à voir c'est un drone qui est encore jeune et qui va évoluer c'est aussi un point qui est important ça c'est que ce R2S par mise à jour ne pourra pas trop évoluer parce que sinon il va concurrencer le Mavic 3 qui est au dessus donc ils, ils seront pas ils pourront pas l'améliorer en termes de photos vidéo. alors que le mini 3 pro lui je pense qu'ils pourront plus améliorer d'ailleurs ils l'ont déjà fait hein, en amenant notamment le 10 bit. Euh, lui, ils pourront encore l'améliorer parce qu'il est tellement différent de, euh, du R2S que même s'il vient le concurrencer, ça reste deux marchés qui sont quand même différents. Et je pense qu'on pourra encore avoir, pourquoi pas, du RAW 12 bits en photo qui va apparaître ou d'autres choses, j'en sais rien. Hein. Mais je pense qu'il va pouvoir encore progresser celui-ci, contrairement au R2S, selon moi. Donc franchement, tout marche, il fait le boulot. Euh, tout est disponible, tout ce qui est mouvement intelligent, tout ça, machin, suivi et tout. Euh, C'est vraiment un excellent drone par rapport à tout ça, rien à dire. Je parlerai par la suite d'autres points négatifs, mais avant ça, un petit mot, même un gros mot sur la nouvelle radiocommande DJI RC. Alors, cette DJI RC, donc avec un écran intégré qui fait 700 nits et non 1000 nits comme la RC Pro, donc un peu moins lumineux. Mais euh, moi, il me convient vraiment. Hein. Il n'est pas forcément super grand, mais ça me convient. Et le gros point positif que j'y vois, c'est qu'il reste tout le temps lumineux. Contrairement à mon iPhone, quand je m'en sers en utilisant la radiocommande RCN1 de mon iPhone, quand il chauffe trop, eh l'écran se baisse niveau luminosité. C'est automatique, je n'ai pas la main dessus, je peux rien y faire. Et ça arrive d'autant plus si je le charge en même temps que je m'en sers avec les radiocommandes. Euh, bref, ça c'est l'un des points qui est très, très embêtant qu'on a un, la RCN1, la normale, là, et qu'on n'a pas quand on utilise la DJI RC. Alors, elle, l'écran... Franchement, rien à dire. Le tactile marche très très bien. Je peux tout faire. Je peux enregistrer l'écran pour vous faire des tutos. Euh, franchement, rien à dire. Autre point positif, j'aime bien l'ergonomie. J'aime bien avoir ces deux boutons ici. Une mise à jour récente qui fait qu'on peut combiner l'usage des boutons fonction et des molettes. Euh, C'est vraiment bien pensé. C'est dommage juste qu'il n'y ait pas de sortie pour pouvoir exporter le flux et faire des lives avec le retour d'image en direct comme sur la RC Pro. Ça, c'est un inconvénient. Euh, c'est pour moi aussi un gros gain de temps de mise en œuvre hein, par rapport au fait de prendre sa RC à un, de d'enlever l'antenne, d'enlever le fil, de mettre le téléphone, de virer la coque du téléphone. C'est aussi un gros gain de temps. Donc franchement, cette euh, DJI RC, moi j'en suis vraiment ravi. Mais oui, je vous confirme que j'ai moins de portée avec la DJI RC qu'avec la RC N1. Ça c'est clair, j'ai des déconnexions enfin des signaux de déconnexion, des alertes de déconnexion euh, beaucoup plus fréquentes, mais pour être bien clair et bien honnête, ça arrive quand je commence à être très très limite niveau réglementation. C'est-à-dire que si vous voulez en voyant votre drone à vue, vous pourrez vraiment aller loin. Euh, sans y avoir de soucis. Par contre, si vous commencez à mettre des arbres entre vous et le drone, moi j'ai fait le test de pas faire décoller le drone, de l'allumer juste et puis de m'écarter euh, avec la radiocommande. Mais ben au bout d'un moment, ça marche plus, alors que ça marche encore avec la RCN1. Donc oui, elle porte moins loin, mais non, ça ne me gêne pas, car quand je vole, j'ai le drone qui reste tout le temps en vue. J'aime pas le perdre de vue, en plus c'est pas le droit. Et dans, ces, dans ce contexte-là, il n'y a aucune différence entre, selon moi, entre la RCN1 et celle-là. Et les alarmes de signal faible que j'ai eu n'ont jamais. Mené à un RTH, donc j'ai l'alarme attention signal faible, mais pour autant je garde la main sur le drone. Donc par rapport à ça, moi ça me dérange pas, mais c'est tellement un gain de confort et un gain de temps par rapport à la RCN1 que oui, j'en suis ravi et je trouve que son prix est vraiment correct par rapport à ce qu'elle offre. Alors maintenant un point qui est super important avant de conclure euh, et qui va du coup aussi être à prendre en compte pour la conclusion et mon avis sur ce Mini 3 Pro, c'est que comme ceux qui me suivent le savent peut-être, moi j'ai reçu d'abord le Mini 3 Pro qui avait un souci, donc il y avait de la buée sur la caméra, enfin l'objectif, et, euh, et j'avais un souci de jello, enfin de tremblement très important quand la nacelle était pointée vers le bas. Donc euh, cette buée, en fait, c'était vraiment, ça venait au bout de quelques secondes de vol et ça ne disparaissait pas. Ou alors, il fallait vraiment que je vole très longtemps, euh, quasiment une batterie euh, complète pour euh, qu'elle s'atténue un petit peu. Donc vraiment c'était pas exploitable et donc j'ai renvoyé en SAV. Il m'a été échangé par suite de Sport qui m'ont renvoyé ce modèle-là qui lui n'a plus de buée. Donc on pourrait se dire ok bah, ça arrive hein, un petit défaut sur un modèle pas de souci sauf que le problème c'est que sur mes commentaires que j'ai eu euh, sous la vidéo où je parle de ce problème-là et aussi sur Instagram, mais beaucoup de gens m'ont fait remonter l'info qu'ils avaient eux aussi de la buée sur leur objectif et ça par contre c'est pas normal. C'est-à-dire que ça arrive mais isolé ok mais il y a quand même beaucoup de monde. A ce problème là, et euh, alors que j'ai pas ce souvenir là sur le R2S, euh, voilà. Ça, c'est quand même un point qui est super important aujourd'hui. Si vous prenez ce mini 3 Pro par exemple sur le site DJI et que vous avez de la buée sur la caméra, bah, je sais pas comment ça va se passer. Alors faites attention à où vous l'achetez pour être sûr d'avoir un échange en cas de souci. Ça reste assez rare. Mais il y a pas mal de gens à qui c'est arrivé. Et dans ce cas-là, bah c'est sûr que si on a acheté le drone quelque part où on peut le renvoyer en SAV facilement, on se le ferait échanger par un service client performant, c'est toujours mieux. Enfin, dernier point ce drone, une fois replié, euh, bah il, il est petit. Euh, la sacoche, pour autant, fait à peu près la même taille que la sacoche du R2S. Mais la grosse différence en ce qui me concerne, c'est que ce drone replié, rentre sans souci dans mon sac à dos je n'ai pas besoin de prendre la sacoche donc là quand je pars en balade j'ai ça et ça à prendre euh, et ça rentre comme je veux dans n'importe quelle poche de mon sac photo alors que le R2S quand je veux le prendre lui bah, il faut que je ne prenne pas par exemple mon objectif euh, 100-500 RF euh, bref je vais le prendre à la place d'autre chose il ne rentre pas dans mon sac à dos aussi facilement que lui donc souvent quand je le prends le R2S je prends la sacoche alors que quand je prends le Mini 3 Pro je ne prends pas la sacoche j'ai que mon sac à dos donc au final niveau encombrement en ce qui me concerne, c'est encore une fois un gros gros gain de place, ce Mini 3 Pro par rapport au R2S, parce qu'il me permet de ne pas prendre la sacoche. C'est un point positif. Donc pour conclure, j'ai un drone qui est petit, léger, transportable. Qui me fait des vidéos avec un profil dessiné like 10 bits. J'ai toutes les fonctions que je veux dessus qui sont dispo aussi sur le R2S en termes de mouvement et tout ça. Il fait de belles photos. J'ai cette possibilité de mettre la caméra en verticale. Voilà, il il est stable. J'ai aucun souci avec. Bref, j'ai un excellent drone dont le rendu d'image est vraiment très proche de ce que fait le R2S. Alors, bah oui, son prix est proche du fil du R2S, mais arriver à faire Quasiment aussi bien, voire mieux, pour certaines choses, dans un format qui est plus petit, plus léger, plus confortable niveau de réglementation. Ben ça a un prix, ça. Donc euh, est-ce que je vous conseille ce drone euh, ou est-ce que je vous conseille plutôt d'acheter un RDS par exemple Mais ben, on parle de ça maintenant. Alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé de prendre position, hein, de ne pas faire une réponse de Normand sur savoir quoi acheter entre ouais celui-là, mais bon si peut-être celui-là. Non, alors, du coup, ben, voilà, je vais, je vais trancher et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le Mini 2 est encore en vente. Si vous débutez, c'est un excellent drone qui fait de belles images, qui est pratique, qui marche très très bien et qui ne vous décevra pas. Donc ce Mini 2 reste une option tout à fait crédible à un prix vraiment correct. Et ce Mini 3 Pro n'est pas là pour remplacer les Mini 2. Il est là pour proposer ce que DJI peut faire de meilleur dans un poids inférieur à 250 grammes. Donc ce n'est pas la même philosophie, hein. on reste sur un drone ici qui, euh, qui propose beaucoup, beaucoup plus de choses que le Mini 2. Et forcément, ça a un prix, hein, vu que le format reste aussi compact. Donc c'est pour ça que son prix le rapproche du R2S et que beaucoup euh, hésitent entre celui-là ou celui-ci. Alors selon moi, qu'est-ce qui reste vraiment qui les différencie Il ne reste que deux choses. La première chose, ça va être la résistance au vent qui sera supérieure sur ce R2S. Et là, je parle vraiment de résistance au vent parce qu'en termes de vitesse, on n'est qu'à 10 km heure d'écart. Euh, et l'avantage du euh, Mini 3 Pro, pour moi qui fais souvent des images de bateaux, où je dois être souvent en mode sport pour piloter, eh c'est que par exemple sur le Mini 2, en mode sport, on arrive souvent à mettre la caméra en tilt. Mais comme celle-ci peut monter à 60 degrés, euh, en mode sport, j'ai jamais eu de caméra en tilt. Donc euh, lui, ce Mini 3 Pro, je pourrais m'en servir pour filmer un bateau qui va, euh, qui va vite, contrairement au Mini 2. Euh, lui sera un peu plus rapide et un peu plus à l'aise dans ses grandes vitesses en mode sport euh, et va mieux résister aussi au vent. Donc ça reste quand même, même si lui est excellent et largement au-dessus du Mini 2, parce qu'on peut filmer en mode sport sans souci, eh ben, on a quand même un avantage léger pour le R2S en termes de résistance au vent. Ça c'est vraiment à vous de voir, vous ne serez pas gêné par lui hein, pour, le, pour le vent, mais encore moins par lui. Et le second point qui va les différencier, c'est qu'aujourd'hui, j'ai quand même du mal à vous conseiller de prendre un drone en sachant qu'il y a autant de gens qu'on des soucis de buer sur la caméra. Donc si vous voulez prendre ce Mini 3 Pro, encore une fois, je vous conseille Studio Sport, hein. c'est pas eux qui me payent, hein. je ne bosse pas avec eux. Mais moi, ils m'ont échangé mon drone sans souci parce qu'il avait de la buée sur la caméra. Donc je sais que chez eux, ça marche. Euh, si vous le prenez, je vous déconseille de le prendre sur le site de DJI. Parce qu'à l'inverse, j'ai discuté récemment avec quelqu'un qui me suit et qui a de la buée et qui l'a pris chez DJI et il galère un petit peu à se le faire échanger. Euh, il propose une réparation avec un mois d'attente, tout ça. Donc euh, voilà, en clair, ce problème de buée, c'est encore aujourd'hui... Un vrai problème, hein. peut-être que sur les modèles qui sortiront d'ici, euh, euh, qui, enfin, qui seront fabriqués d'ici quelques semaines, il y aura plus ce souci là, hein. mais sur les premières versions en tout cas, euh, c'est vraiment un problème notoire et donc aujourd'hui c'est compliqué de vous euh, recommander d'acheter un drone pour lequel je sais qu'il y a ce souci là. Ma conclusion, avec tout ce qu'on a vu, euh, si vous prenez votre Mini 3 Pro dans un magasin de style Studio Sport ou Miche Numérique ou autre, eh ben, je vous conseille le Mini 3 Pro par rapport au R2S. Voilà, c'est euh, mon conseil parce que moi je me régale avec. Il est tout petit, j'adore la DJI RC, euh, il est pratique à mettre en service, il fait de belles images et toutes les fonctions qui me vont bien. Donc euh, maintenant quand j'irai en balade, je prendrai constamment lui, et euh, quand j'irai en prestation, je prendrai les deux, euh, lui soit en, en drone B en cas de souci, soit en drone A si je veux faire des images verticales pour le client. Donc euh, franchement, c'est un excellent drone, à condition que le vôtre n'ait pas de buée sur l'objectif ou que si vous en ayez, vous puissiez l'échanger facilement. Voilà je pense que je tout dit pour aujourd'hui, si ça vous a été utile ou si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.